Son père était footballeur professionnel, un gardien de but célèbre. Il sera gardien de but de handball. À 15 ans, Valentin Barabé intégrera la rentrée prochaine la prestigieuse Académie de handball du club de Montpellier, en classe de première, pour devenir à son tour professionnel. C'est une grosse étape pour moi. La plus grosse étape pour moi, c'était déjà de rentrer au pôle. Après, j'ai eu la chance, là, au jour d'aujourd'hui, de ne pas avoir été pris à Montpellier. C'est une grosse... Comment dire ça ? C'est une aubaine pour moi et je suis très fier. Ça fait 2 ans que je travaille pour ça, même avant avec le club, avec Saint-Leu. Ça a été beaucoup de sacrifices, beaucoup de vacances manquées. J'ai souvent été en stage en France. Puis voilà, mais après, ça paye. Hein. C'est la passion, après, c'est le travail. J'ai 15 ans, je suis jeune. Je me dis que plutôt je serais parti, plutôt... J'aurai la chance de réussir là-bas. Comme Noah Lenclume, Valentin Barabé était formé au club de Piton-Saint-Leu, un club formateur de référence à La Réunion, avant de rejoindre le Pôle Espoir à Saint-Denis. Plus que jamais, Valentin Barabé fait la fierté de tout un club, de toute une ville. Il scelle encore une fois, sort un petit jeune avec notre petit club pour aller porter notre couleur, j'espère, haut, dans un très bon club de la métropole. Après, Noah Lenclume, c'est... Valentin Barabé. Espérons faire le même parcours que lui. Bah espérons, on te le souhaite. Mmh. Il faut faire ce parcours-là. Mmh. Intégrer l'équipe de France et gagner, remporter des titres nationaux. C'est plus important. Bah oui, ouais, et encore. C'est aussi l'objectif, hein. Nous la ville, que les jeunes marmailles de Saint-Leu et de La Réunion. Ils font des parcours au niveau national et international, bien entendu. Après, il ne faut pas s'arrêter au national, mais parcourir internationalement. Barcelone, Madrid. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un jeune qui émerge et qui part comme une impulsion comme ça, c'est le résultat justement des bénévoles, c'est le résultat de la ville, monsieur le maire. D'un travail qui a été fait. Un travail collectif et des parents, parce que depuis tout à l'heure. Oui, et des sacrifices des parents et. Et c'est tout ça, bien sûr le jeune il s'y met, il se concentre, c'est aussi c'est tout sacrifice. Ça, je remercie la maman pour ça, je remercie le papa aussi qui a fait un gros travail derrière parce que lui on l'a suivi depuis toujours, même quand il est parti aux intercomités, aux interligues, quand on pouvait on était en métropole, on se voyait déjà là-bas, voir s'il évolue, s'il va entrer dans une filière de très haut niveau, lui c'est une filière. Et au niveau, ça c'est clair. C'est une fierté de pouvoir représenter mon club en France. Après, je représente toujours La Réunion. J'ai été au pôle. C'est une énorme fierté pour moi de partir et je vais continuer à représenter La Réunion en France. C'est un petit présent de la part de la collectivité. Merci beaucoup. Pas beaucoup. Félicitations, monsieur. Bonne continuation.